Bonjour les amis, c'est Gros Choco Geek. Alors aujourd'hui il y a du monde dans le van, hein. Dans le van il y a du monde. Il y a Chou le métalleux qui a oublié ses cheveux à la maison. Il y a Barry qui fait de la... ça fait comment le machin où il faut passer en dessous d'une barre, je sais plus. Limbo. Mais sans la barre. Mais sans... Du limbo mais sans la barre. Et on a Arc qui fait du jonglage sans jeter le... C'est très très bizarre. Tu en plus la lampe sur toi elle éclaire de l'autre côté. Magnifique. Donc nous sommes sur un fantôme avec des objectifs sympathiques. Nous devons avoir une santé mentale moyenne en dessous de 25%. On doit faire marcher le fantôme dans du sel et on doit avoir un membre de l'équipe qui assiste à un événement paranormal. Bon bah de toute façon s'il y a le marché dans le sel en général ça marche assez. Hop. Je prends un EMF. J'ai pris le bouquin et le thermomètre. Et j'ai pris du sel. Je sens que ça va mal se passer. Forcément. Ah, il pleut. Ah, il pleut toujours sur cette map. Il pleut. Et moi, je vais prendre un EMF, tiens. T'es déjà en bâton. Il y en a déjà un, c'est peut-être pas nécessaire d'en prendre deux. Bah, il n'y a rien d'autre à prendre, donc... Bah, du sel, une caméra, un appareil photo, une lampe violette... Ouais, je vais prendre une caméra, un trépied. Ah, 3, EMF 3. T'es ici ou dans le couloir? Ici. Ici. Moi je suis à 17, 13, 2, 13, 4. Ah, 3 ici. Bonjour! Bonjour! Bonjour, vous aimez les Akonkoyotes? Bon bah je vais le poser ici, hein. De toute façon on en a deux. Je mets une caméra. Ah putain, je vais tenir la caméra. Viens là toi. Ah merde, j'ai pas posé le sel. Ah non, c'est pas comme ça qu'on pose le sel, gars. Choco. Non mais comment c'est pas un sel truc ici, c'est pas dit que c'est là. C'est trace de pas. C'est fait. Ah bah ouais. Ah bah c'est un mec là, t'es en train de marcher dedans. Non non, j'ai posé le sel et ça a fait plouf. De toute façon, j'ai 11 ici, donc hop, on va poser le bouquin et puis. Bon, ça aurait été très 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 rapide sur ce coup là, j'avoue. C'est pas forcément un mal. C'est parce que je suis là. C'est très 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 possible. Ou parce que Chou est là, parce que Chou... Chou a un certain succès avec les fantômes. Ah bon, on a un black avec nous, c'est normal, hein, Ah bah dis donc, il est déjà... premier à mourir. T'as déjà pris en photo le sel, Chou? Comme pas au hasard, mais... Bon bah c'est bon, c'est pris. Bon bah c'est pris deux fois, c'est pris d'amour, avec la photo du chat. Barry qui nous fait un remake des anges pleureurs. EMF qui est seul à nouveau. On a une très belle caméra posée sur Barry. Fais gaffe, tout ce qui contient l'image d'un Barry devient physiquement un Barry. Ah bon? Tu veux tenter la chose? J'ai pas regardé s'il répondait aux personnes seules ou à tout le monde. 7 degrés. Réponds aux personnes seules. Ok. Dors! T'as fait quelque chose? Ah non, c'est 5 degrés. Là, c'est à 5 degrés maintenant. Le son de Chou est dégueulasse aujourd'hui. Orbe. Il a un chou dans la gorge. Il a un chou dans la gorge. Qu'est-ce que t'as fou, mon chou? Orbe. J'en mets une spirit box parce que ça pourrait être pratique là-bas. Alors. Où êtes-vous? On a dit orbe, empreinte de pas. Où êtes-vous? Non, l'empreinte de pas, c'est pas un indice. Quel âge avez-vous? Pardon? Êtes-vous un homme ou une femme? Où êtes-vous? Ça. Bon. Il a pas l'air d'avoir envie de répondre. Il a balancé un portrait. Voilà.
Il a pas l'air motivé du tout à répondre. On est combien sur la santé mentale? 88, 88, 70, 90. Ok. Ouais. Mais il est pas bien, il est pas bien vénère. Hein. J'entends ah, ça s'excite un peu. J'entends le MF d'ici. On a une force L4. Ouais, peut-être un MF5 même, carrément. Barry, t'es sur place, tu nous confirmes le MF5? Non, non, je suis pas sur place, là. D'accord, Barry nous confirme pas sur place. Ça a l'air d'être un MF5. Bah, comme on est en intermédiaire, oui. Eh bah, c'est un MF5. Ça nous fait deux preuves. Bon. La première? C'est l'orbe. Orbe fantomatique. Donc, EMF5 ? Ouais. Et hop, un crucifix posé. 11, djinn ou fantôme. Hop, petite technique de... Je mitraille dans c'est tous quoi, les sens. C'est quoi ces trucs déjà ? Un jeu. Capteur de mouvement. D'accord. Et ça ? Capteur de son. Et celui-là ? Capteur de mouvement, mais avec une lumière. Alors, photo os. Photo d'accord. Os. Quelqu'un a ramassé un os dans la salle de bain ? Non. Bon, bah, faut croire qu'il y est. Parce qu'on a photo os, le sol de la salle de bain. Ah bon ? Où ça ? Bah, dans le journal. Ah, je le vois. C'est bon, j'ai pris le nanos. Il était dans un repli du tissu. Parce que sinon, c'était pas drôle. Bon, c'est fort, on a quand même pris en photo le nanos sans le voir, quoi. Pas faux. 60, 80, 60, 70. Ok. Est-ce que t'as écrit quelque part ça? Parce que je le vois pas, moi, ton machin. De quoi? Comme quoi on avait ramassé un os. Ah ben, c'est pas nouveau, hein, ça fait partie des très très vieilles trucs. Non mais c'est à quelle page que tu vois ça? Non, c'était une photo qui avait été prise avec le mot os dessus. Quand tu regardes sur les photos, voilà, tu reviens un petit coup encore à gauche. Normalement tu verras une photo avec tout le sol et il y aura os écrit. Ah ouais, mais je crois que c'était l'empreinte de pas, effectivement. Bon. La santé mentale, ça va être compliqué de la faire descendre en dessous de 25%. On va pas. Je retourne tenter la spirit box, donc rentrez pas tout de suite. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Êtes-vous un homme ou une femme? Rien de détecté. On est définitivement sur des températures non glaciales. Je crois qu'il y a un appareil photo qui a été jeté à l'arrache sur le lit dans la chambre. Une tartiflette. Hein? Quoi? Hein? Appareil photo. Une tartiflette? Oui, c'est moi qui ai jeté l'appareil photo. Quand ils sont vidés, je les jette dans des endroits où on voit bien qu'ils servent à rien. D'accord. Sinon, son petit nom. Ouais, Marie bien, Taylor. Hein. Ah bah, c'est moi qui ai le plus de santé mentale et je vais rigoler un coup. Demande-lui peut-être de nous faire un signe. Ça pourrait être pratique déjà avant de l'appeler par son nom. Si tu peux nous confirmer pour le MF, ce serait cool. MF3. C'est vrai qu'une fois qu'on a les mains vides... Donnez-moi un signe. Donnez-moi un signe. Allô ? Êtes-vous là ? Bon. Je viens vérifier. Est-ce qu'on m'entend ici, là, en oui, double ? Oui. Non. Non. Et là ? Et là ? Oui. Ouais. Ok, j'y retourne, j'y retourne.
Donnez-moi un signe. Un signe. Êtes-vous là? Ah, il y a un... Y a un avion. Qui êtes-vous? Écrivez quelque chose. Est-ce que je vous ennuie? Oh la pas. Elle a bougé la porte. Elle a bougé la porte. Putain, je sens. Salope. Non, non, elle est bien dans la salle de bain, elle a bougé la porte. Ouais, enfin bon, j'allume un petit peu à droite à gauche quand même. Hein. Voilà. Tiens, je profite là. Est-ce que je suis pas en doublon, le son? Non, c'est bon. C'est bon, je viens couper, merci. Bon, par contre, je vais mettre dans un placard, moi, pour faire baisser ma santé mentale. Dans le garage? Où êtes-vous? Non, non, pas dans le garage, dans le placard, là. Alors, quel âge avez-vous? Il y a un placard à l'entrée? Vas-y, viens, tu vas voir. Faites-nous un signe! T'es où, je te vois pas? Bah, rentre! Ouais. Là. Ah! On peut tenir à deux? Oui. Attends, je viens avec toi. Hop. Au cas où, tiens une porte, je tiens l'autre. Ils sont partis s'isoler dans un placard. Parce que si le fantôme ouvre la porte, il y a une chance qu'on meure, du coup. Par contre, je te conseille de te rapprocher un peu, là, tu traverses le mur. Voilà. Là, au moins. Il y a derrière moi, tu vois. Ah, tu traverses la tête, hein. Bah ouais, mais si je remonte la tête... Alouette. Voilà, mieux peut-être comme ça. Du coup, moi j'éteins la lampe. Ouais, j'éteins. J'éteins les... J'ai essayé le MF, ça me donne une bonne question. Oui, MF5 validé. Totalement. Ok. On en est où au niveau des santé mentale, là, nous? Inspecteur Chou? Il s'est endormi. Ah, ça, c'est bon. Vous êtes bien, c'est bon. 75% de moyenne. J'ai pas la tête dans le plafond. Attention, tu sens la tête en faisant ça. Ah. La madame je a coupé le courant. Éteint les lumières. Ouais. Exactement. Ben, je vais aller les rallumer. Je rêve où. Putain, il y a de la température glaciale. T'es sérieux? Sérieux, ouais. Température glaciale. On a de buée. Ouais. Eh ben, cassons-nous alors. Après toi. Par contre, on t'entend en double cette fois-ci. Poum, 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 poum. On l'aura pas vu, mais on l'aura bien, elle nous aura bien cassé les noisettes. Ah, ah, j'étais bien monté à ce que je vois. Température glaciale. On n'a pas encore validé la santé mentale en dessous de 25%. Ouais, mais ça va être très long. Il nous a pas chassé ni quoi que ce soit, donc. Ça va être très long et c'est pas nécessaire à ce niveau-là. Quoi. Ouais, ok. Donc, orbe fantomatique, EMF niveau 5, température glaciale, fantôme. Alors, un petit instant, je complète. Donc, c'est un fantôme, ok. C'est bon pour toi, Chou? Oui. Eh ben, on y va. C'est une catastrophe, l'apparence des personnages en VR. Donc, quand tu as levé les bras, une partie de ton dos est rentrée dans ton corps. Donc, ah nous bon, avons bien... Ah bon. Ouais. Bah, tu regarderas sur la vidéo. Hein. C'est celle que je vais poster ce lundi. Ah ouais, je confirme. Oh oui, même c'est...
Ouh, ouais, ouais, adieu ma colonne vertébrale. Adieu la colonne vertébrale.